كرونو يعطيك الكرونو باسكو نورمالمون مازال حتى 40 مينوت الاولى ما فضلتش نورمالمون فهمتش علاه يكوبي ولا يكمل واحد واش سيستيماتيك وي هو مش بارطاجي باش نديرو هكا Alors, on reprend. Vous arrivez à entendre? Très bien. Donc, on a le temps normalement. Donc, on va commencer par les hyperdensités spontanées en scanner. Les hyperdensités, c'est les images blanches. Donc, les hyperdensités spontanées, quand on voit une image blanche, donc le premier diagnostic sont les calcifications. Et les calcifications en scanner, il y a des calcifications physiologiques et pathologiques. Les calcifications physiologiques, c'est-à-dire qu'on voit à l'état normal, vous avez les calcifications de la faux du cerveau, les calcifications des plexus choroïdes et les calcifications de l'épiphyse. Donc, ça, ce sont les calcifications normales sur un scanner. OK? Quand on voit ces images, ce n'est pas pathologique, c'est tout à fait normal. OK? Très bien. Quand on voit des calcifications éparpillées comme ça dans le parenchyme cérébral, ça peut être en rapport avec certaines pathologies, comme par exemple la toxoplasmose. La toxoplasmose, elle donne des calcifications. Pourquoi on a dit calcifications? Parce que c'est des images hyperdenses. Donc, les images hyperdenses blanches comme ça peuvent être soit des calcifications, soit autre chose qu'on va voir par la suite. Voilà, le B. Donc, la première des choses, ce sont les calcifications. La deuxième des choses, c'est le sang coagulé récent. C'est une hyperdensité d'une hémorragie intraparenchymateuse. Quand vous voyez une image blanche comme ça dans le cerveau, donc, vous pouvez poser le diagnostic d'une hémorragie récente parce que le sang récent donne une image blanche hyperdense comme ça. Donc, on a vu les calcifications et le sang coagulé. Ça, c'est les hyperdensités spontanées. Hyperdensité des espaces sous-arachnoïdiens. Ça veut dire quoi, espace sous-arachnoïdien et hyperdensité? Hyperdensité dans les espaces arachnoïdiens, ça veut dire qu'il y a une hémorragie sous-arachnoïdienne et encore récente. Les calcifications normales sont soit des calcifications épiphysaires, soit des calcifications des plexus choroïdes, soit des calcifications de la faux du cerveau. Quand on voit ces calcifications, c'est tout à fait normal, ce n'est pas pathologique, ce sont des calcifications physiologiques. Voilà. Un corps étranger, bien sûr, un drain ou bien une sonde, surtout au cours des hydrocéphalies, donc peut donner une image hyperdense comme ça. Voilà. Deuxième des choses, donc on a vu les calcifications qui peuvent être soit des hémorragies récentes, soit un corps étranger, soit des calcifications physiologiques. OK. Maintenant, les collections interposées entre l'os et le parenchyme, c'est-à-dire les hémorragies extracérébrales. La première des choses, c'est ce qu'on appelle l'hématome extradural. L'hématome extradural, c'est quoi? C'est une collection du sang entre quoi? Entre quoi et quoi? Entre l'os et la dure mère. Voilà. Donc, l'image typique en scanner, c'est une image en lentille biconvexe, comme ça, périphérique. Le bord interne de l'image, il est convexe et l'image, elle est hyperdense. Hyperdense, quand elle est récente. On a dit que le sang récent, quand on a un hématome récent, il va être blanc. Quand il est ancien, il est comment? Il est noir, hypodense. Voilà. Donc, image en lentille B convexe. Maintenant, l'hématome sous-dural. L'hématome sous-dural, c'est entre quoi et quoi?
L'hématome sous-dural, c'est entre quoi et quoi? Entre la dure mère et l'arachnoïde. Très bien. Donc, il va donner une image en croissant. C'est-à-dire, le bord interne, il est concave. Ici, c'est un hématome sous-dural chronique ou bien aigu? Parce que c'est du sang, ça. Non. On a dit l'aigu, c'est hyperdense, comme ça. Chronique, c'est hypodense. On a dit les hyperdensités, c'est le sang récent. Ce n'est pas un sang ancien. Voilà, très bien. Donc, c'est un hématome sous-dural chronique. Voilà. Hémorragie sous-arachnoïdienne qu'on a vu déjà. Donc, c'est là la présence du sang au niveau des sillons cérébraux, c'est-à-dire au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. Ça donne des hyperdensités comme ça. C'est typique des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Voilà, très bien. Hémorragie intra-parenchymateuse ou cérébrale. Vous voyez des plages hyperdenses comme ça dans le parenchyme cérébral. Donc, c'est des hémorragies intracérébrales récentes. D'accord? De P6. S'il vous plaît, me répétez la notion de biconcave et biconvexe. Donc, quand on a une image en lentille biconvexe, c'est une collection entre l'os et la dure mère. C'est un hématome extradural. Quand on a une image en croissant, la collection, elle est entre la dure mère et l'arachnoïde. Donc, c'est un hématome sous-dural. Ça va, P6? Faut répondre, P6. Oui. D'accord. Donc, hémorragie intraparenchymateuse cérébrale, tant que vous voyez l'image blanche hyperdense, c'est récent, c'est du sang récent. Quand cette image se transforme en une image blanche noire, hypodense, ça veut dire que c'est ancien. J'ai comprendre extradural sous-arachnoïde. Très bien, merci. Maintenant, le syndrome de masse. C'est quoi le syndrome de masse? Vous savez qu'au niveau du crâne, donc la boîte crânienne, surtout chez l'adulte, elle est inextensible. Donc, c'est un os, c'est une boîte osseuse. Quand on a un processus, quelle que soit l'étiologie, une tumeur, une infection, c'est-à-dire un abcès, un hématome, il va créer ce qu'on appelle un syndrome de masse. C'est une masse qui se développe dans le cerveau. Elle va pousser les autres structures. Comme ça, par exemple, ici, c'est quoi cette image? Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi cette image? C'est quoi cette image-là? On a vu déjà ça. Hématome extradural, très bien. Lentille biconvexe. Donc, l'hématome extradural, quand il augmente de volume comme ça, il va pousser le parenchyme cérébral. Après, il va pousser les ventricules. On appelle ça un syndrome de masse. Il va créer une masse qui va pousser les structures avoisinantes. On appelle ça un syndrome de masse. Le syndrome de masse, c'est la conséquence. Mais l'étiologie, ça peut être un hématome, ça peut être une tumeur, ça peut être un abcès, ça peut être n'importe quoi. OK? Donc, on appelle ça un syndrome de masse. Donc, hématome extradural exerçant un syndrome de masse. Le ventricule latéral droit est refoulé vers la gauche parce qu'on a une masse ici qui pousse le ventricule latéral droit. Vous voyez, le ventricule latéral gauche, il est normal. Ce ventricule, il est collabé, il est poussé. Ça va? Ça va jusqu'au là, très bien. Un autre syndrome de masse, vous voyez là, cette plage-là au niveau du cerveau, quand on injecte un SPC, c'est-à-dire sans produit de contraste. Ici, c'est APC, avec produit de contraste. Donc, quand on injecte, cette partie-là, elle prend le contraste. Ça veut dire que c'est une masse qui prend le contraste, donc c'est une tumeur. Et elle est entourée d'une plage hypodense comme ça. Hypodense, ça veut dire qu'il est beaucoup plus liquidien. Ça, c'est l'œdème. L'œdème qui entoure cette lésion. Mais l'essentiel pour nous, tout ça va créer ce qu'on appelle un effet de masse. OK? Donc, extradural sous-arachnoïdien, extradural. Le sang, quand il est récent, il n'y a pas de dégradation de l'hémoglobine, c'est-à-dire il va apparaître blanc, comme ça, dans le scanner. Après, il y a une liquéfaction, une dégradation du sang va se transformer en liquide. Il va devenir blanc, noir, tout simplement. OK? Donc, c'est pour ça, le sang récent, il est blanc. Le sang ancien, il est noir. La même chose ici, vous voyez en IRM, c'est une formation ici avec prise de contraste périphérique, avec de l'œdème, donc qui va créer un effet de masse sur le ventricule latéral. Donc, on s'en fout de l'étiologie. L'étiologie, ça peut être une tumeur, ça peut être un hématome, ça peut être un abcès. L'essentiel, il y a quelque chose qui se développe au niveau du cerveau et qui va créer un effet de masse. Ça va?
Ça va? Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas compris parce que le son, oui, lorsqu'il monsieur. Est récent, il perd dense. Oui, merci. Oui, très bien, très bien. La même chose ici, vous voyez, donc, des masses qui se développent au niveau du cerveau. Par exemple, ici, c'est un méningiome. L'essentiel, ce méningiome-là, il va pousser le parenchyme cérébral avec un œdème et il va créer un effet de masse. Vous voyez le ventricule-là, ça, c'est une coupe coronale. Vous voyez le ventricule-là, il est poussé, il est coulabé, il est refoulé. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'effet de masse. De opoïte, vous voulez dire quoi? Extradural ou sous-arachnoïdien? Extradural. L'extradural, c'est un hématome qui se développe entre l'os et la dure mère, tout simplement. Le sous-dural, c'est un hématome qui se développe entre la dure mère et l'arachnoïde. C'est comme ça, il y a deux mécanismes. Donc, il peut y avoir lors d'un traumatisme, dans l'image, l'hématome extradural va apparaître sous forme d'une image en lentille biconvexe périphérique. L'hématome sous-dural va apparaître sous forme d'une image en croissant. Ça va? C'est-à-dire le bord interne, il est convexe, c'est extradural. Le bord interne, il est concave, c'est un sous-dural. Ça va? Opoïte. Dans l'image en croissant, vous voulez dire quoi? Je vous remontre l'image. On revient vers l'image? Oui. Ah, l'image. Ça, par exemple, c'est un hématome extradural. Vous voyez, le bord interne, il est convexe. Donc, quand on a une image périphérique comme ça, en lentille biconvexe, c'est-à-dire ici, c'est convexe parce que c'est la voûte crânienne, et l'intérieur aussi, il est convexe. C'est une lentille biconvexe, convexe des deux côtés. C'est un hématome extradural. Quand on a un côté qui est convexe, qui épouse la boîte crânienne, et le bord interne, il est concave, c'est un croissant. Donc, c'est sous-dural. Ça va, OPO F8. OPO F8, oui, très bien. Le syndrome de dilatation ventriculaire, quand on a une dilatation ventriculaire, on appelle ça une hydrocéphalie. Donc, la même chose, à l'état normal, les ventricules donc, ne sont pas dilatés. Vous pouvez voir les ventricules latéraux comme ça, le parenchyme cérébral. Mais quand on a une dilatation des ventricules comme ça, on appelle ça hydrocéphalie. Voilà, l'hydrocéphalie, donc les deux meilleurs examens à réaliser pour visualiser l'hydrocéphalie, c'est le scanner et l'IRM. Et chez le nouveau-né, c'est l'échographie transfrontalaire aussi. On peut mettre en évidence une hydrocéphalie chez le nouveau-né et le nourrisson avant 7 mois, avant la fermeture des fontanelles, par échographie transfrontalaire. OK? Voilà. Regardez là une dilatation ventriculaire, c'est une hydrocéphalie. Ça, c'est une coupe IRM qui montre une hydrocéphalie. Ça, c'est une coupe en T1 ou bien en T2. Allez, il faut répondre rapidement. T1 ou T2? T1. Ayat Tabti. Emna, à tout le monde, c'est T2. Zid, les autres. T1 ou T2? Les autres, T1 ou T2? Liquide et les blancs, donc c'est un T2. On a dit que liquide et blanc, T2. Liquide noir, c'est un T1. OK? Donc, quand on a une image comme ça avec le LCR blanc, c'est une image T2. OK? Les anomalies parenchymateuses non hémorragiques, ça, c'est très important. Donc, on a vu les hyperdensités spontanées, les calcifications, les hémorragies récentes, etc. On avait les collections péricérébrales, donc les hématomes extraduraux, les hématomes sous-durales et les hémorragies intraparenchymateuses, les hémorragies méningées. On a vu l'effet de masse, ou bien l'effet de masse donc secondaire à une masse, à un abcès, à une collection. L'essentiel, il pousse les structures nerveuses avoisinantes. Donc, on appelle ça un effet de masse. Maintenant, on va voir les anomalies parenchymateuses non hémorragiques. Donc, la première des choses, c'est ce qu'on appelle les infarctus cérébraux. Nour à tout le monde. Donc, c'est quoi le T1 et le T2? Le T1 et le T2, c'est deux séquences, c'est technique, c'est purement technique. C'est deux séquences qu'on réalise lors d'un examen IRM. Chaque examen IRM, on a des séquences qu'on appelle les séquences morphologiques et les séquences fonctionnelles. Les séquences morphologiques les plus connues, ce sont les séquences T1 et T2. C'est juste pour faire la différence entre les différents tissus. On a dit, donc,
Le T1, le liquide, il est blanc, il est noir, hypersignal. Et en T2, il est blanc, hypersignal. La graisse, elle est hyper T1, hyper T2. C'est pour arriver à différencier les différents tissus, pardon. C'est tout. OK? Bien sûr, on ne fait pas uniquement T1 et T2. Il y a d'autres séquences. Mais à votre niveau-là, il faut connaître beaucoup plus le T1 et le T2. OK, Nour? Donc, les infarctus cérébraux. Donc, on a vu la vascularisation artérielle du cerveau, donc le polygone de Willis, qui est divisé en artères cérébrales, qui est dans les artères cérébrales antérieures, moyennes et postérieures. Et chaque artère va vasculariser un territoire bien précis du cerveau. Ça, vous pouvez le voir à tête reposée. OK? Quand on a une obstruction d'une artère, elle va être responsable d'une ischémie et d'un infarctus du territoire cérébral qui est irrigué par cette artère. Et ce qu'on appelle ça l'infarctus cérébral, OK? Ou bien l'AVC. Donc, par exemple, l'artère cérébrale antérieure, elle vascularise la face interne des hémisphères cérébraux jusqu'au lobe occipital. L'artère cérébrale postérieure, elle vascularise cette partie-là. Vous pouvez lire ça à tête reposée parce que vous avez le support sur la plateforme, OK? Voyez le tronc basilaire, il vascularise cette partie aussi, le cervelet, le tronc cérébral, etc. Donc, comment va apparaître un AVC ou bien un accident vasculaire cérébral? Quand on a un territoire cérébral non vascularisé, il va apparaître comme ça, hypodense ou bien hyperdense. Cette image, elle est hypodense ou bien hyperdense? Hypodense, très bien, parce que c'est noir. Elle est hypodense et elle est systématisée, c'est-à-dire elle est localisée dans un territoire artériel bien précis. OK? Par exemple, sylvien. Ça veut dire quoi, sylvien? C'est l'artère cérébrale moyenne ou bien on appelle aussi l'artère sylvienne. L'artère cérébrale moyenne, elle est appelée aussi l'artère sylvienne. OK? Donc, ça, c'est un infarctus dans l'artère sylvienne. Ici, c'est un infarctus dans l'artère, territoire de l'artère cérébrale antérieure. Ça, c'est un infarctus dans le territoire de l'artère cérébrale postérieure. Donc, en fonction de l'artère qui est obstruée, entre parenthèses, donc ça va donner un infarctus dans le territoire vascularisé par cette artère. OK? On peut faire une séquence. Donc, ça, c'est une angio-IRM. Vous voyez l'artère cérébrale moyenne de ce côté, ou bien l'artère sylvienne, elle est bien perméable, elle vascularise le cerveau de ce côté. Par contre, cette artère-là, elle est obstruée, elle est bouchée. Donc, elle va être responsable d'un territoire dévascularisé là, ici, et donc, il va entraîner ce qu'on appelle un AVC ischémique dans ce territoire qui est vascularisé par cette artère. Voilà. Vous êtes d'accord? Vous arrivez à suivre? Il faut répondre. Très bien, très bien, très bien. Maintenant, bon, les deux techniques d'examen, l'IRM et le scanner. Donc, quelle est la meilleure technique pour mettre en évidence un AVC récent? Est-ce que c'est le scanner ou bien c'est l'IRM? D'après vous? Très bien. La phase aiguë, c'est l'IRM. Pourquoi? Parce que le scanner, il ne va pas donner immédiatement. C'est après quelques heures, parfois 24 à 48 heures, pour voir cette image hypodense. Sinon, si on fait un scanner au début d'un AVC, donc on ne peut rien voir. On peut voir un cerveau normal. Par contre, en IRM, on peut détecter un AVC dès les premières heures, même pas avant les 3 heures. OK? Et il y a une séquence très importante qu'il faut retenir là. C'est une séquence très, très importante qu'on appelle une séquence FLAIR. FLAIR, en anglais, c'est une abréviation. Donc, Fluid Attenuation Inversion Recovery. FLAIR, FLAIR. Fluid Attenuation Inversion Recovery. La séquence FLAIR. C'est quoi l'intérêt de cette séquence FLAIR? Elle permet de donner un hypersignal des liquides stationnaires. Flair, c'est comme ça, oui, mais il faut le mettre en majuscule, Yasmine. En majuscule. C'est une abréviation, flair. Donc, très bien. Donc, elle met en évidence les liquides stationnaires. Donc, le liquide cérébro-spinal, est-ce que c'est un liquide stationnaire ou bien c'est un liquide qui bouge? Réponds, il faut répondre. C'est un liquide qui bouge ou bien c'est un liquide stationnaire. Très bien. Donc, il n'est pas détecté par la séquence FLAIR. Il reste toujours noir. Par contre, l'œdème, c'est un liquide stationnaire.
Il ne bouge plus. Donc, il est facilement mis en évidence par la séquence flair. Donc, la séquence flair, elle permet de mettre en évidence l'œdème et l'inflammation. L'inflammation, entre parenthèses, c'est un œdème. OK? Donc, retenez cette séquence très importante. Donc, à la phase aiguë d'un infarctus cérébral, donc vous pouvez par la séquence flair voir l'œdème avant l'apparition de l'image sur le scanner. Donc, c'est pour ça. Donc, l'IRM, elle est plus performante dans les premières heures d'un AVC que le scanner. Le scanner peut être normal, alors que l'IRM, par la séquence, bon, entre parenthèses, il y a d'autres séquences, mais la séquence flair peut mettre en évidence le scanner dès le début. OK? De A, docteur. Docteur, pouvez-vous répéter pourquoi on utilise l'IRM? Très bien. Oui, de l'INA, l'artère, c'est les infarctus dans le territoire des artères sylviennes est le plus fréquent, sont les infarctus les plus fréquents. Donc, la séquence flair, comment on peut différencier entre hématome ancien et infarctus? Très bien, on va voir ça par la suite. Donc, la séquence flair, c'est une séquence qui donne un hypersignal quand on a un liquide stationnaire. Un liquide stationnaire, c'est de l'œdème, tout simplement. OK? Donc, comment faire la différence entre un infarctus et un hématome? Donc, l'hématome, il est périphérique, il peut être sous-dural en lentille biconvexe ou bien extradural. Il n'est pas dans le parenchyme, il est en dehors du parenchyme, les hématomes. Par contre, l'infarctus, il est dans le parenchyme, c'est une hyperdensité dans le parenchyme et qui n'a pas la forme d'une lentille biconvexe ni d'un croissant. OK? Oui, parce que c'est anatomique, l'artère sylvienne, donc c'est-à-dire statistiquement, c'est la plus exposée aux athéroscléroses, etc. C'est pour ça, statistiquement, les AVC du territoire sylvien sont les plus fréquents par rapport au territoire de l'artère cérébrale antérieure et postérieure. OK? Voilà, donc retenez bien la séquence flair. Très bien. Les autres hypodensités du intraparenchymateuse, cause infectieuse, voilà. Cette planche est très importante. Donc, elle permet de faire la différence entre, c'est-à-dire une hypodensité intraparenchymateuse, ce n'est pas toujours un infarctus. Ça peut être une autre étiologie. Ici, par exemple, c'est un abcès cérébral. Pour Ryan Bell, oui, parce que l'IRM, dans la phase aiguë, dans les premières heures, quand le malade développe une hémiplégie, par exemple, on suspecte un AVC. Si on réalise un scanner dans les premières heures, on ne peut rien voir, c'est-à-dire le scanner peut revenir normal. L'image hypodense dans le scanner peut apparaître 24 à 48 heures après. Par contre, en IRM, dès qu'on a les signes cliniques dans les premières heures, et surtout par la séquence flair et d'autres séquences, on peut mettre en évidence l'AVC. Okay? Donc, l'IRM, elle est très performante par rapport au scanner au cours des premières heures. Voilà, Ryan, c'est OK pour Ryan Belbel. Très bien. Maintenant, comment on fait la différence entre une hypodensité d'un abcès et une hypodensité d'un... Quel est l'intérêt de la TDM ici? Très bien, parce que l'IRM n'est pas tout le temps disponible. OK? Donc, le scanner, c'est le plus disponible. C'est pour ça qu'on fait beaucoup plus les scanners. Si on voit le scanner normal, on reprend le scanner 48 heures après et on voit l'AVC. OK? Parce que ce n'est pas tous les malades qui peuvent avoir un IRM. L'IRM n'est pas disponible actuellement pour tout le monde. OK? C'est une question de disponibilité. C'est pour ça qu'on fait beaucoup plus le scanner que l'IRM. Mais si on arrive à faire l'IRM, ça serait utile pour les premières heures d'un AVC. Donc, les éléments radiologiques entre un AVC et un abcès, vous les voyez ici. Donc, ça, il faut apprendre ça par cœur. Donc, les contours irréguliers, c'est abcès. Sous-cortical, c'est abcès. Effet de masse plus marqué, c'est abcès. Pas dans un territoire artériel, c'est abcès parce que l'AVC, il suit un territoire artériel. Et la prise de contraste, elle est annulaire dans l'abcès. L'abcès parce que c'est une collection qui prend le contraste en périphérie parce qu'elle est vascularisée en périphérie. Par contre, l'infarctus, il n'est pas vascularisé, donc il n'y aura pas de prise de contraste. Ça va? Ici, par exemple, vous voyez un abcès en IRM. Vous voyez, c'est une collection avec prise de contraste périphérique comme ça. L'AVC ne donne pas ça. Emna, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Très bien.
Amna, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, Ayatabti, flair pour les liquidstationnaires comme le DEM, oui. Metben si perdant, c'est une IRM, Metben on hyper signal. On a dit qu'en IRM, on parle de signal. Amna, abcès et infarctus. L'abcès et infarctus, les deux donnent une hypodensité. Mais comment on va faire la différence entre les deux? C'est grâce à ça. L'abcès, les contours sont irréguliers. Vous voyez les contours irréguliers? L'abcès, il est sous-cortical, il ne touche pas la partie périphérique, comme ça le cortex. Par contre, l'AVC, il touche la partie périphérique. Okay? L'effet de masse, il est plus marqué parce que l'abcès, c'est une masse qui se développe et qui pousse les structures. Ça donne un effet de masse. Or que l'AVC, c'est juste une hypodensité du parenchyme. OK? Pas dans un territoire. Elle n'est pas systématisée, l'AVC. L'AVC, il peut être n'importe où. Par contre, l'abcès, il peut être n'importe où dans le parenchyme cérébral. Par contre, l'AVC, il va suivre un territoire artériel. OK? Et la prise de contraste, elle est périphérique pour l'abcès et pas de prise de contraste pour l'AVC. Ça va, Amna? Amna, ça va? Très bien. Ça, c'est un abcès. On a dit que l'abcès prend le contraste en périphérie. Très bien. Il reste aussi les tumeurs extra-parenchymateuses. Quand on a une tumeur qui se développe dans le parenchyme cérébral, on appelle ça tumeur intra-axiale. Quand on a une tumeur qui se développe dans les méninges, c'est-à-dire pas dans le parenchyme cérébral, on appelle ça extra-axiale. OK? Oui, OPO F8, donc abcès, infarctus, les deux sont hypodenses en scanner, mais l'abcès prend le contraste, l'AVC ne prend pas le contraste. Et en IRM, les deux sont hyposignal T1 et hypersignal T2 parce qu'ils contiennent du liquide, ok? C'est-à-dire l'œdème. Méningiome, c'est une tumeur qui se développe au niveau des méninges, c'est-à-dire elle n'est pas dans le cerveau, elle est dans les enveloppes méningées. C'est pour ça qu'on l'appelle tumeur extra-axiale. Si la tumeur se développe dans le parenchyme, on appelle ça tumeur intra-axiale. Si elle se développe en dehors du parenchyme, ici, par exemple, c'est une tumeur extra-axiale. Tout simplement. Ici, par exemple, vous voyez un adénome de l'hypophyse. C'est une masse qui se développe au niveau de l'hypophyse. On appelle ça un macro-adénome hypophysaire. C'est une tumeur extra-axiale. Voilà. Il y a ce qu'on appelle une tumeur qui se développe au niveau de l'angle pontocérébelleux. L'angle pontocérébelleux, c'est quoi? C'est entre l'hémisphère du cervelet là et le tronc cérébral. Les tumeurs qui se développent ici sont des tumeurs extra-axiales. Et la tumeur la plus fréquente ici, c'est le neurinome du 8. C'est des tumeurs fréquentes. C'est juste pour vous montrer certains types de tumeurs extra-axiales qui ne se développent pas au niveau du parenchyme cérébral. OK? C'est clair ce point? Oui, c'est clair. Il faut répondre. Oui, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, très bien. Maintenant, il reste l'imagerie des vaisseaux cérébraux. Donc, l'imagerie des vaisseaux cérébraux, les examens à réaliser pour explorer les vaisseaux cérébraux, c'est l'angioscanner cérébral ou bien l'angio-IRM cérébral. Donc, quelles sont les différentes pathologies? C'est les sténoses. C'est quoi la sténose? C'est la réduction du calibre d'un vaisseau. Voyez là? Par exemple, un vaisseau dont le calibre est sténosé, on appelle ça une sténose. On peut mettre en évidence ça par l'angioscan ou bien l'angio-IRM. Par exemple, au cours d'un AVC cérébral, on peut vers un angioscan cérébral, on peut trouver par exemple une sténose de la carotide qui est responsable donc, d'une hypoperfusion. Par la suite, ça va donner un AVC dans le territoire vascularisé par cette artère. L'essentiel, les sténoses sont détectées par l'angioscan et l'angio-IRM. La sténose, c'est une réduction du calibre localisé d'un vaisseau. OK? Voilà ici. La thrombose, par contre, la thrombose, c'est quoi? C'est l'obstruction totale d'un vaisseau. Voyez ici l'artère cérébrale moyenne, elle est totalement obstruée là. Ce n'est pas une anomalie du calibre, mais l'artère, elle est obstruée, elle est bouchée, elle est fermée. Par contre, ici, l'artère, elle est perméable, mais il y a une réduction du calibre. On appelle ça sténose. Ici, c'est une obstruction, donc c'est beaucoup plus une thrombose.
Voilà, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Vous arrivez à entendre? Oui, très bien. Donc, on a vu les sténoses et les thromboses. Maintenant, on peut voir les autres malformations. Vous voyez ici cette dilatation vasculaire, comme ça qu'on appelle les anévrismes. L'anévrisme, c'est une dilatation localisée d'un vaisseau, d'une artère. Donc, l'anévrisme peut se rompre à n'importe quel moment et donner ce qu'on appelle une hémorragie intracérébrale. Donc, on peut mettre en évidence les anévrismes cérébraux par l'angioscan et l'angio-IRM. Ici, donc, c'est une angio-IRM. Donc, on voit cette dilatation localisée d'une artère. Ici, c'est une reconstruction 3D et vous pouvez voir la dilatation ici. OK? Ça va? Vous arrivez à suivre? Il ne reste pas beaucoup. Très bien. Ici, vous voyez une rupture d'un anévrisme qui a donné une image hyperdense au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. Ça, c'est quoi? Quel est votre diagnostic ici? C'est une hémorragie sous-arachnoïdienne. Pourquoi? Parce que c'est hyperdense, c'est une hémorragie récente, c'est du sang récent, donc, qui se développe au niveau des espaces sous-arachnoïdiens. Donc, c'est une hémorragie sous-arachnoïdienne récente. OK? Ça, donc, on a vu les anomalies du calibre, donc les sténoses, on a vu les thromboses, on a vu les malformations, les anévrismes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les malformations artério-veineuses. Les malformations artério-veineuses sont des communications anormales entre les artères et les veines au niveau du cerveau. Et elles sont aussi, elles-mêmes, source d'hémorragie intracérébrale. OK? Comme ici, cette communication anormale entre les artères et les veines, on appelle ça malformation artério-veineuse. Ça va? Vous arrivez à suivre? Très bien. Ici aussi, on voit une communication anormale entre artère et veine, donc ça peut être une source d'hémorragie par la suite. Maintenant, il nous reste la moelle épinière. OK? La moelle épinière, donc les espaces sous-arachnoïdiens sont effacés par une masse. Donc, pourquoi? Donc, au niveau de la moelle épinière, on a trois cas de figure. On a des pathologies qui se développent dans la moelle, des pathologies qui se développent dans les méninges et des pathologies qui se développent en extra-méningé. Donc, vous allez voir ici, par exemple, c'est le disque, c'est une hernie discale qui va pousser les méninges et qui va comprimer la moelle. Donc, ça, c'est extra-dural, extra-médulaire. OK? Ici, c'est une anomalie qui se développe dans les méninges qui va pousser la moelle. Donc, elle est intra-dural, extra-médulaire, c'est-à-dire dans la dure-mère, en dedans de la dure-mère, et elle n'est pas dans la moelle. Le troisième cas de figure, ce sont les masses ou bien les lésions qui se développent dans la moelle elle-même. Donc, on appelle ça intradural, intramédulaire. OK? C'est clair pour ces trois cas de figure? Oui ou non? Oui, il faut répondre. Très bien. Donc, au niveau de la moelle, du canal médulaire, on a trois cas de figure. On a des lésions qui se développent au niveau de la moelle, on appelle ça intradural, intramédulaire. Il y a des lésions qui se développent au niveau des méninges, on appelle ça intradural, extramédulaire, c'est-à-dire non pas dans la moelle, mais dans les méninges. Il y a des lésions qui se développent en extradural, c'est-à-dire en dehors des méninges, on appelle ça extradural, extramédulaire, tout simplement. Intradural, extramédulaire, par exemple, une lésion qui se développe au niveau de l'arachnoïde. Elle est en dedans de la dure-mère et elle est en dehors de la moelle épinière pour Yasmine. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça intradural, en dedans de la dure-mère, et elle est en dehors de la moelle épinière. C'est pour ça qu'on l'appelle intradural, extramédural. C'est clair, Yasmine? Réponds. Oui. Très bien. Voilà. Il y a des atteintes aussi quand on a une compression de la moelle. Quand on a une compression de moelle, ça va être source de paralysie, etc. Donc, l'IRM ici, c'est l'examen de choix pour les atteintes médulaires. C'est l'IRM et l'examen de choix. Il y a aussi les atteintes inflammatoires, donc au niveau de la moelle et au niveau du cerveau, qu'on va voir par la suite. Donc, bien sûr, les traumatismes, on peut mettre facilement en évidence des traumatismes du rachis, par exemple, ici, vous voyez un scanner où vous avez une fracture. Donc, ça, c'est C2, C3, C4. Une fracture, tassement de C5. OK?
Oui, vous arrivez à entendre? Ah. Vous arrivez à entendre maintenant? Oui, très bien. Donc ici, on peut mettre en évidence aussi des lésions post-traumatiques au niveau du rachis. Vous voyez des fractures et des tassements des vertèbres ici. Ici, par exemple, vous voyez la C5 qui est fracturée et tassée. Reste la pathologie inflammatoire. Il y a une pathologie inflammatoire très fréquente qui se développe au niveau de la moelle épinière et du cerveau, qu'on appelle la sclérose en plaques. Vous la connaissez? C'est une affection démyélinisante de la moelle épinière et du cerveau. Oui. La sclérose en plaques, la meilleure séquence pour mettre en évidence des lésions de sclérose en plaques, d'après vous, c'est quoi? Allez-y, si vous avez bien compris. Ce sont des lésions inflammatoires, démyélinisantes. IRM, oui, flair, très bien. C'est la séquence flair. Pourquoi? On a dit que la séquence flair détecte les zones d'inflammation. OK? Détecte les zones d'inflammation, donc qui donnent une hypersignale. Vous voyez, tous les hypersignaux, c'est des foyers d'inflammation. Et la localisation de la sclérose en plaques, elle est typique, elle est périventriculaire, etc. Ça, ce n'est pas pour vous. L'essentiel, la séquence flair permet de mettre en évidence ces foyers inflammatoires. OK? Donc, la séquence flair, c'est une séquence T2 qui met en évidence un hypersignal des liquides stationnaires. Vous voyez que le liquide cérébrospinal, il est noir parce qu'il est circulant. Les liquides stationnaires vont apparaître en hypersignal. OK? Est-ce que vous avez de questions? Voilà. Vous voyez ces images-là? Donc, les séquences flair, vous voyez les hypersignaux. Donc, c'est une sclérose, l'arthrose, on utilise les séquences flair. Pour l'arthrose, quelle arthrose? Pour l'arthrose, on peut faire des IRM, donc rachidiennes. Les atteintes, oui, on peut mettre en évidence les atteintes dégénératives, oui. S'il y a des lésions inflammatoires, vont apparaître en hypersignal T2 parce que c'est du liquide, en hyposignal T1 parce que c'est du liquide, et on hypersignale flair parce que c'est de l'inflammation, parce que c'est du liquide stationnaire. Oui. Merci, monsieur de PC, s'il vous plaît, les densités des tissus en T1 et T2, ça diffère en fonction des tissus. Voilà, on a dit que l'eau, elle est hyposignale T1, hypersignale T2, la graisse, hyper, hyper, mais à part l'eau et la graisse, ça dépend de la nature des tissus. Il y a des tissus qui apparaissent hypo T1, hyper T2, hyper T1, hyper T2, en fonction de la composante du tissu. OK? Mais on a mis comme repère l'eau et la graisse pour juste vous montrer l'intérêt des séquences T1 et T2. OK? S'il vous plaît, des sources pour le module de radiologie. Et merci. Les sources, donc, on a. Donc, tous les supports des cours de radiologie ont été insérés sur la plateforme. Vous les avez vus déjà? Oui ou non? Très bien. Le cours, ce cours, il est inséré sur la plateforme. Vous allez voir tout le cours sur la plateforme. Imagerie en neurologie, avec détails en plus. Donc, en conclusion, la neuroradiologie est en constante évolution. Le scanner et l'IRM sont les techniques de choix. Maintenant, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Allez-y. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Avec, donc, oui, hémorragie. Quand on a une hémorragie récente, ça va apparaître hyperdense sur le scanner. Quand c'est un AVC, ça va apparaître noir hypodense. Docteur, la partie des tumeurs ne sont pas présentes dans le cours. Partie tumeur, je vais vérifier ça. Merci beaucoup. Vous avez tout compris? Il faut répondre par oui. Oui. Très bien. Très bien. Allez, je vous remercie donc et à la prochaine séance. OK?